Salut à tous, c'est Kira, on est de retour sur PVZ, la bataille de Neighborville. La dernière fois on a fait du multijoueur, et ben on va continuer à faire du multijoueur puisqu'il nous reste encore des modes à tester. Donc let's go, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Donc l'arène de combat, malheureusement je peux pas la faire parce que c'est buggé. J'ai essayé de la lancer plusieurs fois mais ça marche pas. Dommage, ça avait l'air d'être super cool parce que c'est du 4v4 dans une arène avec une map totalement différente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà fait élimination par deux boss en équipe, on a déjà fait la conquête du gazon. Élimination par équipe, on n'en a jamais fait, mais c'est du combat en équipe comme ça. Donc je vous propose de tester les deux autres modes qui sont ici. Donc on a jardin et cimetière ops. Faites équipe avec d'autres joueurs et collaborez pour vaincre les vagues d'ennemis tout en protégeant votre pierre tombale ou votre jardin des attaques. Ce mode alterne entre jardin et cimetière ops. Eh bien écoutez, on va tester ça. C'est un mode de défense. C'est du PVE en vrai. Hein. Et du coup, on est du côté des plantes. Yes, tant mieux. Bon, je vais prendre le grain de maïs. Voilà. Ce serait bien d'installer un jardinateur ici. Vite, crée-en un, construis le jardinateur. On est que deux? Ah ouais, on est pas beaucoup, on est que deux. Ça se joue peut-être qu'à deux, hein. Allons-y. Alors je sais plus exactement comment jouer le maïs, mais on va réapprendre assez rapidement. Donc on est dans les mines. Les mines de la Moria. Allez, on va protéger du coup avec des pousses de plantes. On vous connaissez un peu, hein. Voilà, vous savez très bien en quoi ça consiste. On a déjà eu des quêtes comme ça, exactement les mêmes. En mode histoire. Donc vous connaissez. Planter des plantes en pot prompto, c'est la journée internationale des mots en paix. T'es pas drôle, Dave. Ferme-la un peu. T'as jamais été drôle. On va mettre, hop, un arc électrique. Très bien. Et je crois qu'on a passé toutes les plantes. Il place la dernière, je crois. Oui, il place la dernière. Parfait. Allez, c'est parti pour la défense de points. Let's go. On y va. Alors, ça arrive uniquement devant, j'ai l'impression. Oh, il a l'air de connaître, hein, lui. Hein. Il a l'air de connaître. Allez, on y va. Tiens. Alors, je vais essayer de réussir mes compétences. Donc, ça, c'est un stun, je crois. Ah, là-bas, il y a d'autres zombies qui arrivent. Je pense. Je vais aller checker de ce côté-là. Oui, il y a du monde. On a le 2. Le 2, c'est quoi déjà? Ah oui, le 2, c'est ça. Excellent. Ça fait tout péter. Et on a le E qui permet de balancer un immense canon sur les adversaires. Ça va, les compétences sont assez faciles. Mais je me rappelle, le maïs, c'était assez facile à jouer. Il n'y a pas trop de difficultés. Oula, il y a du monde partout par contre. Tain, heureusement qu'on a mis des plantes de défense. Hein. Ils arrivent vraiment de partout. Y'a pas quelqu'un de l'autre côté là-bas? Ah, en haut. Et voilà, première vague terminée. Yes. Alors je sais pas du tout combien il y a de vagues. Il est trop beau son skin. Il me fait trop rire. Mon dieu. Trop mignon. Trop kawaii. Alors on y va. Hop, champi peureux. Donc on peut pas remettre voilà, des plantes qu'on a déjà plantées. Parce qu'il y a un cooldown. Ça vous connaissez. Vous connaissez les bails. Hop. On met du coup, tiens, je vais mettre un champi gluant. Et je crois qu'on a tout posé. Ça a l'air d'être bon. Et il se place en hauteur, lui. Ok, je vais aller défendre là-bas. Tiens! Qu'est-ce qu'il y a, toi? Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Pas grave, on utilise les compétences bêtement. C'est pas grave, ça arrive. C'est dur de se remettre dans une plante, hein. Surtout que je change à chaque épisode. C'est pas facile non plus, hein. Il est mort. Ça va arriver de là-bas. Oh vous. Oh vous. Oh alors là. Hop. Bah là on explose. Ça met du temps à revenir, hein, l'explosion. Attends, c'est plutôt puissant. Allez, meurs. Voilà. Alors est-ce qu'il y a du monde de l'autre côté qui arrive? J'ai l'impression que c'est bon, il reste très peu de zombos. Il s'en occupe, hein, il s'en occupe. On va rester là, ça sert à rien de le rejoindre. Il s'occupe des derniers. Ah, là. Et voilà, deuxième vague terminée, excellent. Alors il a perdu énormément de vie par contre, lui, hein. Il a perdu énormément de vie. Ok, on a gardé. Ah non, on a perdu une plante, donc je vais aller la replanter immédiatement. J'aime trop ce mode. Je pense que je préfère les modes PVE comme ça de défense que les modes PVP. Ouais, je sais pas. Je trouve ça mieux en fait de battre des IR. C'est des vrais joueurs, peut-être ils seront plus forts que moi, c'est peut-être pour ça que je dis ça aussi. Allez, c'est parti. Et à la fin on aura un boss, hein, comme d'habitude. Je connais cette odeur. Soigner un chien mouillé dans les parages,
soit c'est un Yeti qui approche. Oh putain, il y a un Yeti. J'adore trop cette musique. La 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 la. Allez, je me dirige directement vers le Yeti. Il a l'air d'être chaud pour y aller, donc on y va. Go! Oh, je l'ai massacré. Oh, on y va. Oh, mais on l'a dégommé. On l'a tellement dégommé. Qu'est-ce que j'adore cette musique, bordel. Elle va tellement bien dans PVZ. Ils sont là, ils sont là. Vite. Vite, vite, vite. Hop. Voilà. Il en reste encore. Là-bas. Allez, tue-le. Oh là là, ils explosent. Ok, il y a d'autres là qui arrivent. Non mais... Oh, je vise très mal aussi. Hein. Oh, je vise très mal. C'est bon ? Vague terminée. Bon, on a réussi la vague bonus assez facilement en vrai. Le Yeti était pas très compliqué. Après, on aurait peut-être dû attendre qu'il s'approche. Il y a peut-être pas trop d'intérêt de... Bah, d'aller le rejoindre en vrai. Parce que du coup, il y a eu énormément de zombies qui sont venus après. Je pense qu'il fallait le laisser s'approcher. Hop. Voilà. C'est bon. T'inquiète pas. Y'a pas de problème. Bon, j'ai pas du tout de stratégie hein, quand je plante des plantes. Je sais pas trop. Oh là 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 là. Attention, vague numéro 4. Ah, ça arrive là. Hop. Alors vous. Allez, meurs. Yes. T'inquiète pas, je m'en occupe. Je gère. Très bien. Ah putain, mais ils arrivent de partout. En haut. Ah, ils commencent à être beaucoup, hein. Hop, on va aller vers eux. Ils vont exploser. Trop bien cette compétence. Oh, ils commencent à être beaucoup là, hein. Il y a du monde. Alors toi. Faut le tuer lui. Merci. Le healer. Qu'on protège derrière au moins. Voilà, merci. On va devoir en planter des plantes là. Oh merde, y'a un gros robot. Oh, y'a un gros robot. C'est bon. On l'a eu. Ah, les vagues commencent à être assez compliquées. Heureusement que j'ai les compétences qui me permettent de récupérer de la vie. Ah, mais il y a un autre joueur. Il y a un autre joueur qui nous a rejoint. Excellent. Donc en vrai, ça se joue pas du tout à deux. Hein. Ah, par contre, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de zombies s'il y a un autre joueur. Je sais pas du tout comment ça marche. Yes. Je ne sais pas ce qui approche, mais ça sent les vieilles chaussettes sales. Ouh là là, ce serait pas la dernière vague là. Il y a moins que ce soit la dernière vague. Allez, vite là, par contre, faut replanter des plantes très rapidement. Hop, on va mettre ça. Let's go, let's go, let's go. Hop, ici on va mettre ça. Il reste quoi? Et ben c'est bon. Ok, c'est parti. Et il y a un quatrième qui va nous rejoindre bientôt. Ah oui, c'est le boss, du coup, je pense que c'est la dernière vague. On va tomber sur quoi? Oh! Ah! Ça m'a l'air d'être hardcore. Il s'est passé quoi? Ouh là là, il y a une cinématique et tout. Il a toujours les crocs. Mon dieu, carrément un boss? Trop bien! Ah, il est là! Ah, mais on l'a déjà affronté en mode histoire, non? C'est pas un des premiers? Il est où? Trop bien. Il est où? Trop bien. Un boss à plusieurs. Oh lui, alors, si je peux le toucher avec ça. On est en train de le dégommer par contre pour l'instant. Hein. Allez, on le focus. Au secours! Au secours, il m'envoie dans un univers parallèle. Utilisez ma lampe anti-chauve-souris pour éliminer les chauves-souris avant qu'elles ne vous croquent.
Quoi? C'est la lampe anti-chauve-souris, comment on fait pour l'utiliser? Ah, faut aller là-bas? D'accord. Ah, mais on doit tous faire ça, c'est ça? Meurs-toi! Faut aller là-bas. Survivre à la malédiction. Au secours, j'ai que 30. Putain, on a pris trop cher là. Faut que j'aille là-bas. C'est ça? Je pense que c'est ça. Parfait. Ah, maintenant on doit protéger. Ah, mais attendez, c'est trop bien cette, cette mission. Ah, les petits mods sont meilleurs que les gros mods. On a encore 5 secondes et après on pourra retourner taper le boss. Heureusement qu'il y a deux personnes qui nous ont rejoint à ce moment-là. Non! Fallait pas sortir maintenant. Ah, mais non, il est sorti maintenant! Il est sorti maintenant! Fallait pas. On prend quand même sacrément cher. Mais il est revenu le healer, parfait. Reviens. Comment il se barre? Eh, reviens. Avec la musique. Reviens. Désolé, ça me fait rire. Ok, on doit revenir là-bas. Non, il est encore là-bas. Ah, on repart donc du coup pour la malédiction des chauves-souris. On va devoir refaire exactement pareil. Let's go. Vite. Ma lampe anti-chauves-souris. Elle téléporte les chauves-souris bien au chaud dans une grotte. Faut aller où? C'est pas, il faut passer où par contre? On peut passer par là, je pense. Go, go, go. Ah non, c'est là-bas. Comment on va là-bas? Putain, je vais devoir passer par ici. Oh, on est tellement loin. On perd tellement de vie. Non, 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 faut pas que je meure. Faut pas que je meure. Je vais y arriver, je vais y arriver. Allez, je vais y arriver. Oh mon dieu, c'est chaud! Allez, faut que je balance de la bombinette. Heureusement qu'on a healer, hein. Parce que là sans healer on aurait pu jamais s'en sortir, hein. Le healer qui fait clairement le taf. Ah, là-bas aussi ils ont un healer. Il est là. C'est bon, on a réussi à survivre. Alors là, on va tout détruire, tout ça. Go sur lui. Oh, il disparaît au moment où je fais ça, quoi. C'est la dernière phase. J'ai jamais fait une quête aussi épique. Il va mourir bientôt. Putain, il va forcément là où il y a tous ces zombies. L'enfoiré. Allez, go! On le finit! Il est où? Il est là-bas. Wouh! Trop bien! Vague de boss terminée et on a terminé, je crois. Excellent, bravo à vous tous. Bravo à vous tous, c'était très, 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 très beau. Dommage, c'est pas moi qui l'ai achevé. J'aurais bien voulu l'achever. Et c'est la victoire. Et bah écoutez, c'était. Et eh bah ben, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Est-ce que je peux voir mon score?
Ça relance une... On va revenir dans le parc Ninote. Au pire, c'est pas grave pour le score. Mais c'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. Je pense que je gagne quand même la récompense, même si j'ai quitté avant. C'était vraiment beaucoup trop cool. J'ai adoré ce mode. Le fait d'avoir une quête comme ça et tout ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Eh bien écoutez, voilà pour un nouveau mode testé en multijoueur, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sympa. La prochaine fois, ce qu'on pourrait faire, c'est mode pot-pourri. Combattez en JCG à 8v8 dans un mélange unique de modes de jeu. Ah, ça peut être cool ça aussi. Voilà. Écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'ai testé une autre plante, hein. J'essaye voilà, de changer de temps en temps. Il y a plein de plantes qu'on n'a pas encore testées, plein de zombies qu'on n'a pas encore découvert. Faudrait qu'on se fasse ça. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur PVZ, la bataille de Neighborville. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, salut.